Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Le mercredi 27 juin 2018, le dialogue politique a repris ses travaux en présence des deux facilitateurs, leurs excellences, le président Alpha Condé de Guinée et Dankwa Nana Akufo-Addo du Ghana et du président de la commission de la CEDEAO, M. Jean-Claude Roux. La coalition profite de l'occasion pour remercier les chefs d'État du Ghana et de Guinée pour leur disponibilité constante. La facilitation a souligné que le dialogue est relancé conformément au mandat confié à elle par la conférence des chefs d'État le 14 avril 2018 afin d'aider sur la base du protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie, la bonne gouvernance, la paix et la sécurité à trouver une solution à la crise sociopolitique que connaît le Togo depuis août 2017 et qui menace la paix et la stabilité du Togo et de la sous-région. Après la cérémonie d'ouverture, la facilitation a procédé à des consultations bilatérales entre les protagonistes. La coalition a, quant à elle, présenté ses préoccupations articulées autour des points suivants. La libération de tous les prisonniers politiques, l'arrêt de toutes les poursuites judiciaires en cours contre les responsables de l'opposition, la levée de l'état de siège de fait dans les villes où prévaut encore cette situation et le respect scrupuleux des droits de l'homme et des libertés publiques sur toute l'étendue du territoire national. Le rétablissement dans leur version originelle de 5 dispositions fondamentales de la Constitution du 14 octobre 1992, à savoir la limitation des mandats avec la mention « En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats », le mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours pour l'élection du président de la République et des députés, les conditions d'éligibilité du président de la République, les prérogatives et les modalités de désignation du Premier ministre, et enfin la recomposition de la Cour constitutionnelle. Autre préoccupation exprimée, la mise sur pied d'une transition politique chargée de mettre en œuvre les décisions du dialogue. La sécurisation des institutions de la transition et enfin les garanties de mise en œuvre des décisions du dialogue. Après les consultations bilatérales, les deux facilitateurs ont réuni les délégations en une cérémonie de clôture au cours de laquelle ils ont livré les premiers éléments de leur réflexion à la suite d'un entretien qu'ils ont eu avec le chef de l'État togolais, M. Faure Gnassingbé. Dans leur communiqué sanctionnant les travaux de la journée, les facilitateurs ont demandé au pouvoir togolais la libération de toutes les personnes encore détenues suite aux manifestations, 2, la garantie de la liberté de manifester et la sécurité de tous les citoyens sur toute l'étendue du territoire national, en particulier dans les villes de Sokodé, Bafilo, Tchamba et Mango, qui sont actuellement en état de siège de fait, et enfin la suspension de la préparation des élections. À ce sujet, les facilitateurs ont cru devoir donner la fin novembre comme date indicative pour la tenue des élections législatives. La coalition a fait observer, d'une part, que cette proposition est contradictoire avec la mesure de suspension du processus électoral, et d'autre part, que la date indicative n'est pas réaliste pour l'organisation d'élections crédibles. Les facilitateurs ont
en réaction répondu que les élections législatives ne pourront se tenir que lorsque les conditions seront réunies et qu'un consensus sera établi entre les protagonistes. Au sujet des propositions de sortie de crise formulées par la coalition, les facilitateurs ont estimé qu'il leur faudrait un mandat plus large de leur mandat et vont en conséquence en informer leurs pairs qui prendront alors les décisions qui s'imposent lors du prochain sommet de la CEDEAO prévu pour le 31 juillet 2018. Au total, les propositions de sortie de crise de la coalition n'ont pas pu être examinées. Cependant, la rencontre du 27 juin 2018 a permis de faire quelques avancées substantielles concernant la libération des détenus, la levée de l'état de siège sur les villes concernées, le rétablissement du droit de manifester sur l'ensemble du territoire national et l'arrêt du processus électoral. La coalition tient ici à féliciter le peuple togolais pour son engagement et son soutien sans faille et lui demande de rester mobilisé. La lutte populaire est invincible. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.